À présent, nous parlons de la guérison divine. La guérison ici, on va la définir comme étant le fait de nous mettre à l'abri d'un mal, hein, ou encore de nous guérir ou de nous soigner, n'est-ce pas, d'un mal dont nous étions victimes. Et donc, cette guérison-là, elle est à deux niveaux. Premièrement, Allah il va guérir celui qui lui demande la guérison. Et deuxièmement, Allah il va guérir celui que lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, décide de guérir. Et donc, nous, en tant que des êtres réfléchis, c'est nous qui adressons donc la demande des maux dont nous sommes victimes à Allah tabarak wa ta'ala, de lui demander également qu'il nous donne la santé. Et cette santé-là, la meilleure des santé, la plus grande des santé, c'est la santé spirituelle. Celui qui est malade spirituellement, il verra que tout son corps va tomber malade spirituellement parce qu'il ne va pas répondre aux prescriptions divines. C'est pourquoi le prophète sallam dit « Inna fil jasadi mudgha » Il dit « Il y a dans le corps humain un morceau de chair. Quand il est bon, tout le corps il est bon. Quand il est souillé, tout le corps est souillé. » Il dit « Ala wa hiya al-qalb » Il dit « Ce morceau de chair-là, c'est le cœur de l'être humain. » Donc, demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir nos cœurs. Et la guérison du cœur, c'est la foi, c'est la croyance, c'est le fait de se remettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de cet aspect de guérison, il y a ce qu'on va appeler les maladies qui sont liées à notre physique, les maladies physiques. Et donc, ces maladies-là également, la guérison incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, le prophète Moïse alayhi salam, il avait un mal de ventre, il a demandé à Allah de lui donner la santé. Allah lui a montré une feuille. Quand il a pris la feuille, il a guéri. Et après, le mal est revenu. Cette fois-ci, il ne s'est plus adressé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est allé directement, il a pris la feuille. Et quand il a pris la feuille, la douleur dont il était victime s'est aggravée. Et quand il a demandé à Allah, Allah lui a dit, en réalité, c'est moi Allah qui donne la santé. D'accord? Et quand tu m'as demandé la première fois, j'ai donc donné la permission à la feuille de te guérir. Mais comme la deuxième fois, tu ne m'as pas demandé, et donc je t'ai laissé avec la feuille. Pour dire qu'en réalité, cette santé-là également, ça incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là où les hommes restent limités, Allah le divin, il reste le capable. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ Il faut s'en remettre entièrement à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut lui adresser des bénédictions. Et quand on est malade, l'islam nous enseigne certaines causes qu'on devrait faire pour avoir la santé, la guérison. Premièrement, c'est d'avoir la ferme certitude que le mal dont on est victime, n'est-ce pas? Le seul guérisseur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, c'est de faire des aumônes, de faire des sacrifices, afin qu'Allah nous donne la santé. Et le troisième, inshallah, c'est de faire des doigts. Hein? Si on fait des doigts, inshallah, c'est sûr qu'Allah va nous guérir. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était atteint d'une maladie, et l'ange Jibril est venu lui faire des doigts. Bismillah arqika min sharri kulli shay'in yurdika. ومن شر كل ذي نفس او عين حاسد والله يشفيك بسم الله ارقيك donc il est venu le traiter comme ça avec ses doigts là, hein, il a fait son traitement et Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné la santé. Qu'Allah nous guérisse nos maladies qui sont cachées ainsi que celles qui sont apparentes. Wa barakallahu fikum. La guérison divine n'est rien d'autre que la guérison, mais la guérison qui vient de Dieu. C'est une réalité. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas un conte de fées. C'est une guérison, mais qui vient de Dieu. C'est ça qu'on appelle la guérison, mais la guérison surnaturelle. En vérité, la guérison divine existe. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible ne nous a jamais enseigné que Jésus-Christ offrait des médicaments aux gens, aux malades. Ou Jésus-Christ donnait des remèdes aux gens. La Bible dit qu'il priait pour les malades. Et les malades recevaient la guérison. L'homme est le fabricant de tout ce qui est mécanique. Que ce soit la voiture, quel que soit ce que l'homme a fabriqué, lorsque ça tombe en panne, l'homme a la mesure de pouvoir réparer cela, restaurer cela. Mais celui qui a créé l'homme, qui s'appelle Dieu, il n'y a que lui seul qui a la pièce de rechange pour pouvoir refabriquer l'homme, restaurer l'homme et apporter la restauration à la vie de l'homme. C'est pourquoi un homme peut être en mesure de pouvoir apporter un remède à quelqu'un, le soigner, il va trouver la solution à son mal. Et puis Dieu, qui est le mécanicien du corps par excellence, le mécanicien de l'homme, qui a créé l'homme, Dieu ne soit pas en mesure d'apporter la guérison. C'est pourquoi de la même manière, il y a la guérison naturelle, avec les moyens, de façon naturelle,
Mais il y a aussi ce qu'on appelle la guérison surnaturelle, qu'on appelle la guérison divine. Et Jésus allait de lieu en lieu, priant pour les malades, guérissant les malades. Et la Bible dit cela. Quand nous lisons tous les passages de Luc, le livre de Luc, la Bible nous révèle que Jésus-Christ a exercé un ministère, mais un ministère de guérison. La Bible dit qu'il imposait les mains aux malades et les malades étaient guéris. Et même quand Jésus est parti, il a laissé cette force surnaturelle à ses disciples. Et cette force surnaturelle leur a permis de pouvoir apporter la guérison divine encore à ceux qui étaient restés, ou du moins ceux qui étaient encore là après le départ de Jésus. Jésus a dit de lui que de tous ceux qui sont nés des femmes, Jean-Baptiste en est le plus grand. Pourquoi? Vous voyez, au Jourdain, Dieu prit la place d'un agneau et Jean-Baptiste prit la place du souverain sacrificateur. Et Jean-Baptiste lava l'agneau et le présenta disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez, et Jésus avait dit que il a donné mandat, vous voyez, de guérir, de délivrer les malades et ainsi de suite. Alors, la deuxième chose, parlant de la guérison divine que je vais toucher ici, c'est que, retenez une chose, je vous ai toujours dit que, selon Amos 3:7, Dieu ne fera rien qu'il n'y révèle son secret à son serviteur, les prophètes. Vous voyez, donc quand Dieu doit faire quelque chose, forcément il va révéler ça à son serviteur, le prophète, messager vivant qu'il a envoyé en votre temps. Alors, la deuxième chose, parlant de la guérison divine, est le développement de la médecine. Vous voyez, la médecine est, aujourd'hui est très 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 développée, de sorte à ce que les églises, vous voyez, n'ont plus la foi, ou bien ne parlent plus de la guérison divine. Alors, ils se tournent maintenant vers les hôpitaux. En train d'enseigner des églises construisent des hôpitaux, des pharmacies, des laboratoires, et ainsi de suite. Pour dire quoi? De façon claire, il veut dire à l'humanité que le temps où Dieu guérissait de façon divine est passé. Le temps des miracles est passé. Vous voyez, la médecine, je crois que la médecine vient de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que le signe de la médecine est le serpent d'airain que Moïse avait fait dans le désert. Regardez très bien quelque chose. Dieu est juste et il est écrit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors si hier, Dieu a guéri miraculeusement, aujourd'hui, il va guérir miraculeusement et éternellement, il va guérir miraculeusement. Mais le diable invente tout ce que Dieu fait là, le diable imite tout. Donc il y a aussi la guérison divine avec Dieu et aussi il y a la guérison divine avec le diable. Parce que vous savez que quand on parle de guérison divine, la divinité, il n'y a plus de divinité, il y a Dieu lui-même qui est le seul unique dans le ciel et puis il y a aussi d'autres divinités. Et Dieu peut permettre, vous voyez, Dieu peut frapper de ces petits dieux-là, ces démons-là qui font aussi des miracles. Vous voyez, prenons par exemple, dans 2 Chroniques 16, verset 12, il y a eu un roi là-bas. Vous voyez, et alors qu'il était malade, il a laissé la puissance de Dieu pour se tourner vers la médecine. Et Dieu n'était pas content. Alors la seule façon d'obtenir la guérison divine, c'est de se tourner vers Dieu. Alors quand on veut se tourner vers Dieu, est-ce qu'il faut rester à la maison alors que tu es malade et puis tu implores Dieu comme ça, puis Dieu va te guérir? Non. Mais la guérison aussi vient de la foi. Par la foi en quoi? En ce qu'on croit. C'est pourquoi Jésus dit, va, ta foi t'a guéri, va, ta foi t'a sauvé. Donc c'est le prophète que Dieu a envoyé aujourd'hui qui prêche le message de Dieu pour notre temps. C'est en croyant ce message-là que tu peux obtenir une guérison si tu es malade. Tu peux obtenir une délivrance si tu es malade. Mais si un pasteur prie pour toi parce que tu es malade et puis tu es guéri, sache qu'il n'a fait que calmer, vous voyez, ta maladie parce que demain encore ça va reprendre. Et ça, on voit plusieurs fois ici. Et aujourd'hui, pour obtenir la guérison divine, il faut croire au message qui prêche le prophète Kakou Philippe. En dehors de cela, vous allez partir voir un marabout des noms des pasteurs ou bishops. Merci et que Dieu vous bénisse. Bouddhisme, le bouddhisme, l'hindouisme, c'est...